Du 18 au 20 septembre 2015, 35 000 personnes ont participé à Alternatiba Léman à Genève. Mais au fait, Alternatiba, c'est quoi ? Alternatiba, ça a été inventé par les Basques de Bayonne en octobre 2013, le premier a eu lieu. Et nous, on était présents et on a tout de suite trouvé que ça, c'était une formule géniale parce que c'est une façon d'abord de mobiliser pour le COP21 à Paris sans créer de fausses illusions parce qu'on sait déjà que les gouvernements, encore une fois, ne vont rien faire d'efficace. Et actuellement, on est à plus de 100 alternatives qui sont organisées chaque fois localement, surtout en France, mais en francophonie, disons, mais un petit peu partout en Europe. On mobilise pour le COP21 en mobilisant la société civile autour des initiatives positives pour le climat qu'ils font déjà. Parce que, comme vous voyez ici et partout, il y a des milliers de gens, même dans la région genevoise, il y a des milliers de gens qui travaillent sur des initiatives qui sont positives pour le climat, que ce soit l'agriculture, la mobilité douce, la finance responsable, le recyclage, les renouvelables, etc. Enfin, tout le... nos 250 associations qui sont là. Et puis ça, ça donne espoir aux gens. Parce que s'ils voient, tout d'un coup, ils se rendent compte combien de choses se passent déjà. Alors là, ça peut faire pression d'abord sur les autorités locales, qui sont quand même un peu plus faciles à toucher, pour commencer à faire les choses. Et en même temps, qui... se fédèrent sous des associations dans un réseau qui peut créer des synergies, qui peut faire partir des projets. Ici, il y a plusieurs projets déjà qui sont partis à travers la préparation même d'Alternatiba. Les gens se rendent compte, etc. C'est un peu ça l'idée. Parmi ces initiatives, la monnaie Léman a retenu l'attention des visionautes. Le projet du Léman a été lancé hier pour Alternatiba. Et donc on utilise le festival comme un tremplin. Donc le Léman est la monnaie du festival et elle est utilisée dans tous les bars, tous les restaurants et quelques guichets de change qui permettent aux gens de changer leurs francs suisses et euros en Léman. Une monnaie comme le Léman, donc il y en a une trentaine en France par exemple et en Suisse il y en a quelques-unes et c'est des monnaies qui visent à relocaliser l'économie. Donc en fait elles circulent entre des réseaux, dans un réseau en fait, dans des partenaires qui sont dans la même région et qui vont plus s'échanger entre eux. Autant que ce soit les consommateurs qui vont pouvoir acheter des billets ou des unités électroniques et qui vont pouvoir les dépenser chez les partenaires qui sont dans la région. Et à côté, on a le crédit mutualisé, inter-entreprises et indépendants. Et ça, c'est une unité qui ne va pas du tout avoir de lien, qui va être complètement hermétique avec la monnaie nationale. On ne pourra pas changer des unités de francs suisses en Léman. Ce sera une unité qui va vraiment être seulement hermétique au sein du réseau et qui va circuler entre les partenaires. Et qui va leur permettre du coup de se faire du crédit à taux zéro. Concrètement, dans le réseau du Léman, on a par exemple notre graphiste. Lui, il monte à 1000 parce qu'il nous a rendu un service de graphisme. L'association descend à moins 1000. Et du coup, ce graphiste qui est à plus 1000, lui pourra dépenser ses 1000 unités de Léman chez les autres prestataires du réseau. C'est une monnaie qui est responsable, qui est une monnaie qui a des valeurs, qui sont celles d'économie sociale solidaire et qui sont celles d'Alternatiba justement. Et l'idée, c'est une monnaie qui se veut améliorationniste. Et donc, des gens qui vont rentrer, ils vont devoir mettre en place des choses, ça va être du recyclage, ça peut être des écarts salariaux, ça peut être de prendre plus de fournisseurs de la région. Pour rester dans le réseau, chaque année, ils vont devoir faire des efforts pour aller dans la direction de la charte. Il y a vraiment l'aspect transfrontalier qui est vraiment essentiel, l'aspect transfrontalier qui est là depuis le départ dans le projet du Léman. On travaille beaucoup avec Annemasse. Moi j'habite à Genève, mais j'ai vécu aussi beaucoup en France. Je suis franco-suisse et je caractérise un petit peu cette mixité du projet où il y a vraiment un comité de monnaie Léman France, un comité Léman Monnaie Suisse. Mais en fait, ces deux comités sont conjoints. Dans le sens, il y a des membres de l'un qui sont membres de l'autre. Et on travaille vraiment main dans la main pour monter un projet qui se fait de part et d'autre de la frontière. Il s'est constitué à travers ce processus-là une société civile transfrontalière. Et puis par rapport à la xénophobie qu'on essaie de développer, notamment à Genève, contre les frontaliers, contre les étrangers, on voit que le seul avenir, ce n'est pas les frontières, c'est au contraire la solidarité à travers les frontières. Et on peut seulement organiser une région comme Genève avec tout Genève. À Genève aujourd'hui, c'est 400 000 personnes qui habitent dans le canton et 400 000 qui habitent en France et en canton de Vaud. Et partout dans la rue, je veux qu'on fasse le bon choix, qu'il n'y ait plus de
voiture, que les piétons soient rois, qu'on respecte la nature.